Bienvenue à Amsterdam. C'est parti pour le marathon 2017. Donc là, si je parle dans le vide, c'est simplement parce que j'ai oublié de brancher mon micro. Ce que je disais, c'était qu'on était arrivé à Amsterdam le vendredi. Là, on est le samedi, on va chercher les dossards. Donc vous allez voir, l'organisation, c'est sensiblement la même chose qu'en France. On récupère le numéro de dossard, on récupère le t-shirt de la course. Le seul avantage qu'on aurait pu avoir à aller chercher les dossards le vendredi, vous allez le voir, c'est parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Heureusement, l'organisation était bien faite, donc c'est allé vite. Je vous laisse regarder la fin du vlog. Pensez, pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Bye. Ok, donc les dossards sont récupérés. Là, on mange pour midi et ensuite repos jusqu'à demain. On a tellement marché déjà, là on n'a qu'une envie, c'est de s'asseoir. Où est-ce qu'on va manger? Regardez. Fin de la journée. Comme vous pouvez le voir, on a fini de préparer nos affaires pour le marathon. Comme ça, demain, on va gagner quelques petites minutes de sommeil. On n'aura pas besoin de préparer tout ça. On va faire un petit tour de tout ce qu'on a amené à Amsterdam pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a préparé, comment c'est organisé. On va commencer par les affaires de course, hein, classiques. Compression au niveau des mollets, chaussettes, shirt, compression, t-shirt, voilà, la montre. On a ramené la ceinture pour accrocher notre dossard parce que c'est vrai que les épingles, c'est pas très très pratique. Et évidemment, les chaussures de running. Donc ça, c'était pour le matériel, hein, tout ce qui est le plus classique. On a aussi ramené le rouleau de massage, que vous voyez pas très très bien. Donc voilà, ça c'était pour le matériel. Maintenant, on va parler un peu d'alimentation. Donc il y a deux solutions quand on part à l'étranger pour une course. Donc soit on prépare tous ses repas à l'avance, et à ce moment-là, c'est super simple, hein, on a juste à les manger en temps et en heure. Soit on fait comme nous, on profite un peu de la ville. Donc en fait, nous, le midi et le soir, on mange au restaurant. On a quand même ramené quelque chose. Par exemple, imaginons on mange dans un restaurant et il n'y a pas forcément beaucoup de glucides, comme vous avez pu le voir, omelette. Bon, bah, c'était une omelette, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de glucides. Donc du coup, on a ramené de la semoule. Bon, on l'a pas ouvert, hein. Mais c'est super simple à faire. Donc si vous manquez un peu de glucides, il vous suffit juste d'avoir une bouilloire et vous pouvez en faire. Pour le matin, on a ramené des flocons d'avoine. Un flocon d'avoine aussi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pris pour les repas les 3 jours avant la course. Et sinon, alors le jour de la course, alors je vais vous montrer ce que moi j'ai pris. J'ai 3 gels, donc en fait 10 km, 20 km, 30 km. Donc j'ai prévu en plus une gourde avec dedans donc du sirop avec du sel. Donc je mettrai de l'eau le jour J. Pour avoir en plus un apport glucidique plus dans la durée, parce que ça, ça et ça, c'est juste un apport ponctuel, hein, que ça je l'aurai pendant toute la course. Pour ceux qui se demandent, c'est une flasque un peu molle, plus on boit, plus elle rétrécit, et après comme ça elle prend plus de place. Juste avant la course, donc le temps d'attendre, j'ai une barre, et le matin même, on a fait un... Comment ça s'appelle? Gâteau sport? Gâteau sport, ouais. Ouais, un gâteau sport. Donc qu'on va manger le matin. Donc le matin, moi je prendrai aussi des flocons d'avoine parce que je déteste avoir faim le matin d'une course. Et je sais que juste avec ça, ça sera pas du tout suffisant. Donc... Bon, Rebecca, elle a à peu près la même chose. Hein. Elle se met la ceinture pour les gourdes. Donc elle n'aura pas ses gourdes à la main comme moi. Un peu plus utile. Elle a les gels de prévu. Bon, alors étant donné que moi je compte le courir en 3h15 et elle mettre, on espère 4h, mais peut-être un peu plus. C'est vrai qu'un quatrième, c'est vraiment pas de trop. Et même chose, dans une des deux gourdes, elle aura du sirop dedans. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, donc le kiné lui a mis du K-taping. C'est principalement proprioceptif, mais ça peut permettre aussi un peu une amélioration de la contraction et rendre un peu moins difficile la fin de la course.
Donc voilà, vous savez tout pour l'alimentation, vous savez tout pour l'équipement. Et bah écoutez, nous il nous reste plus qu'à dormir. Et puis c'est parti. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut tout le monde. Il est 8h du matin. Là, ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure qu'on est debout. Alors, le petit déj a été pris. Comme vous pouvez le voir. Ce gâteau est d'une densité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Impossible à manger. J'en ai pris un quart. Je suis au bout de ma vie. Donc le matin, moi je prendrai aussi des flocons d'avoine parce que je déteste avoir faim le matin d'une course. Et je sais que juste avec ça, ça sera pas du tout suffisant. Donc voilà, le ventre, il est rempli. Tout est prêt. Il y a juste un petit détail qui m'a fait beaucoup rire. Sur le salon qu'on a fait hier pour le marathon, le salon d'expo, Rebecca, elle a vu des photos de gens qui saignaient du téton. Alors elle m'a prévu des petits pansements ronds. Ça me fait rire. Moi, je vais les mettre quand même parce que moi aussi, ça m'a fait peur. Bon, allez, on finit de se préparer et on y va. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage à Amsterdam et que vous avez pu apprendre 2-3 choses à propos de l'organisation, du déroulement, d'une course officielle. Sinon, pour revenir sur le marathon en lui-même, de tous les sports et de toutes les compétitions que j'ai fait, je pense que mentalement, c'était l'une des choses les plus dures que j'ai eu à faire et à finir. Ouais, les 10 derniers kilomètres. À la fois, j'étais en train de me dire que 10 km, c'est pas grand-chose, je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois, et à la fois, quand on reporte par rapport au temps, 10 km, c'est 45 minutes, et tenir 45 minutes quand on n'en peut plus, c'est super long. Ouais, et moi, c'était pas juste 45 minutes, c'était une heure, et sachant que j'ai vu que je perdais de la vitesse, c'était beaucoup plus qu'une heure. Je pense que ça a été difficile parce qu'on s'est vraiment donné à fond et que notre objectif au final, même si c'était de finir, on s'est quand même fixé un temps et on s'est dit qu'on ferait du meilleur qu'on pourrait pour finir cette course dans un temps limite. Et c'est ça qui fait qu'on a fini dans des conditions pas optimales, on va dire. Si on s'était juste dit ok, on court, quitte à courir trop lentement, on va juste le finir, on aurait fini tranquillement sans aucun souci. Donc voilà, faut pas avoir peur du marathon en soi. Je pense pas que ça soit une étape infranchissable, c'est juste que si on veut se fixer un temps, si on se donne vraiment à fond, bah forcément, le fait est que c'est compliqué. Il y en a qui malheureusement se fixent des conditions de temps beaucoup trop strictes, et franchement sur les 10 derniers kilomètres, j'en ai vu plein par terre avec la Croix-Rouge de là-bas, et à deux bornes de l'arrivée, des mecs par terre, même perfusés, je trouve ça tellement dommage quoi. Enfin, c'est horrible. 2 kilomètres y rester et puis finir dans un état pareil, c'est vraiment... c'est vraiment bête en fait. Ouais, c'est dommage de se mettre dans des conditions pareilles pour une course. Bah, c'est censé être un plaisir à la base, c'est censé être un temps sympa, enfin une course sympa, un moment assez unique dans la vie. Bah, c'est clair que le mec il va s'en souvenir. Hein. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein, je sais pas. Nous, même si on était un peu au bout et qu'on n'en pouvait plus, on n'est pas non plus allé jusqu'à la perte de connaissance ou... Non, voilà, après, on s'est quand même entraîné, on connaît un peu notre corps et ce qui nous dit, les messages d'alerte. Donc après, c'est clair que sur une distance pareille, c'était un peu la découverte, mais honnêtement, faut juste écouter. Hein. Donc moi, quand j'ai vu que j'avais mon genou qui partait à droite à gauche quand je courais, que je voulais poser pied par terre, bah, j'ai bien compris qu'il fallait ralentir, sinon j'allais jamais arriver jusqu'au bout. Hein. Cette dernière phase dans la course, où on est en constante discussion avec nous-mêmes en se disant est-ce que je m'arrête, est-ce que je m'arrête pas, est-ce que je vais réussir à finir, est-ce que... Cette discussion qu'on a avec nous-mêmes où vraiment on se pousse,
En fait, en soi, c'est ça qui fait aussi le plaisir de la course, parce que on est tellement en négociation avec nous pour pas s'arrêter, qu'une fois que c'est fini, on est tellement fiers de nous, et c'est ça qui procure aussi tout le plaisir. Si vraiment la course était trop simple, on n'aurait pas la même sensation d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on se donne à l'entraînement, mais on se donne aussi le jour de la course, et c'est ça qui fait vraiment un tout et qui fait tout le plaisir de l'événement en soi. Donc voilà, franchement, si vous vous posez la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de courir un marathon, etc., si vous n'avez pas de problème de santé, si vous avez le temps à mettre dans l'entraînement, franchement, c'est vraiment une expérience unique que vous pourrez faire. Je vous encourage à le faire. Si votre but, c'est juste de le finir avec un bon entraînement, je vous jure que vous le finirez dans des bonnes conditions, pas avec des grosses crampes derrière les jambes comme j'ai eu, ou avec un genou qui part un peu dans tous les sens. Après, souvent, plein d'amis m'ont dit « Ouais, mais je me sens pas encore prêt. » Mais en fait, je crois qu'on se sent jamais prêt, surtout pour la première fois qu'on court une telle distance. On n'est pas prêt, en fait. On sait pas vers quoi on va, c'est complètement inconnu. Ben, moi j'étais super stressée la veille, même l'avant-veille, j'étais vraiment... Mais j'ai jamais été aussi malade de stress comme ça, quoi. Et au final, c'est bien passé. Et ben écoutez, j'espère qu'on a donné envie à ceux qui se posent encore des questions de faire un marathon. Sur ce, on va finir ce vlog. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine. Salut.